Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre incroyable aventure sur The Last of Us. Évidemment, Part 1, comme d'habitude. 4K 60 FPS, profitez-en, on va se retrouver, une bonne demi-heure ensemble. Et c'est parti, on récupère l'échelle, on a fait toute la zone. Et normalement, on a tout fouillé, on a tout récupéré. C'est exceptionnel. Alors, putain, mais c'est incroyable. Ah si, l'arc, je commence à m'en souvenir. Donne-le-moi. Je suis assez douée pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Je préfère pas. À savoir qu'après, évidemment, Ellie, dans The Last of Us 2, a bien un arc. Mais The Last of Us 2 est encore tellement dans ma mémoire que j'avais totalement oublié qu'il y avait un arc dans le 1. Ouais, libre, monte. Et ça, c'est incroyable. Alors, ma petite Ellie. Comment on va faire? Est-ce que je peux récupérer genre l'échelle? Non, la planche par contre, peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'on peut récupérer la planche. Totalement. On va la mettre ici. Pour pouvoir traverser, évidemment. Hop, voilà. Les bâtiments! Ce jeu est tellement beau, tellement fou. The Last of Us, foirez pas la série, je vous en supplie, c'est pas le moment. Ne foirez pas ça, Sony, s'il vous plaît, c'est important. Tout comme Horizon, même s'il n'y aura pas Aloy, parce que ça sera des années avant sa naissance même. Mais bordel, The Last of Us, ça n'a pas intérêt à être foiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu si vous avez peur de ce que va apporter la série. À quoi vous pensez aussi? Est-ce que vous pensez que ça va être bon? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous êtes un peu hypé? Dites-moi tout, évidemment. Oh merde. Oh putain, mais c'est pas vrai. Partout, toi. Mais attends. Vraie question. Ok. Bon, écoute. Bill, c'est plutôt le genre de gars instable, tu vois. Alors, une fois là-bas, laisse-moi lui parler. Compris? Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Bill est un type bien, mais il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout. Ok. On va descendre par ici, je suppose. Allez, viens, ma petite Ellie. Hop, j'avais pas vu ça. On va aller fouiller là-haut. Va falloir être attentif. Ouais. Wesh, quoi? Merde, tu vas y aller? Je veux voir ce qu'on peut trouver. Tu trouveras mon cadavre quand je serai mort d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Ok. Il est où le bordel, là? Il est où le merdier, les potes? What the fuck? Ok. Ça, on prend. Merde alors. Les gars. Allez hop. Headshot one shot. Bordel. Ce truc m'a foutu la trouille de ma vie. On va la même, hein. Bon. Pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. Rachel, des soldats vont de porte en porte et obligent les gens à entrer dans des bus, j'entends. Décrit à deux pâtés de maison. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai essayé d'appeler, d'attendre, mais je ne peux plus rester. Ok, très bien. Très très bien. Hop, ça on prend. Tu crois qu'ils se sont retrouvés? Comment je pourrais le savoir? En tout cas, j'aimerais bien. Ça, bien sûr que je prends. Pilule, c'est hyper important.
D'ailleurs, on en est à où, là? On en est à 35, c'est pas dégueu, ça, hein. Augmente la vitesse de confection. Augmente la vitesse de soin de 25%. C'est pas dégueu, mais la stabilité de l'arme, je pense que c'est ce qu'on va maîtriser. Stabilité de l'arme et santé max aussi. Ok. Bah, on va plus viser la stabilité. Ok, y a plus rien, malheureusement. Viens, fiche encore d'ici. On se casse. On se casse. Très bien. Bon, va falloir faire gaffe au barbelay. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Oh merde, regarde ça. Ah. J'ai peut-être une idée. Ok, surtout ne t'approche pas. Ok. Ça marche. Les trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Ok. Bordel. Hop. Fais attention où tu marches. Vous serez abattu à vue. Tu vois ça? Recule. Allez. Très bien. J'avoue que je l'avais pas vu. On continue. Ok. T'éloigne pas. Let's go dans ce magnifique bâtiment. On va avant tout fouiller ceci. Parce que c'est quand même 8 balles de revolvers. Hop. Let's go. On y va? Allez, viens, bibiche. Ah! Je te tiens. Putain, Bill! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore un des pièges à la con de Bill. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Ok. Coupe la corde pour me faire descendre. Ça marche. Ça sent pas bon, cette histoire. Merde, ils sont là! Ok! Ok. Quand tu veux. Tiens bon. Non, je tire sur la corde, hein. Ouais. C'est encore pire. Ouais. Tu vas y arriver. Ok. Chier. Dépêche-toi! Putain, Ellie, t'approches! Allez, Ellie, bichette! Touche pas, fils de pute! Oh là 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 là! Ok! Dégage. Et ben voilà, merci mon petit Billy. Bon vieux Billy. Ok. Demi-tour, on fait demi-tour. Quelle direction? Portez le patate, venez ici.
Cours, Ellie. Je me dépêche. Ok. Ne traînez pas, on n'est pas en sécurité. Bill, ils arrivent par la porte. Bute-les, on n'a pas d'autre chemin. Bill, reste en arrière, n'avance pas. Ok. Ok. On y est presque, suivez-moi. Attends. Ok. Pourquoi j'ai plus mon arme incroyablement modifiée là? Ah, elle peut one-shot qu'une ou deux fois, bordel de merde. Merde! C'était chaud! Merci d'avoir joué les héros. Ellie. Joël! Bill! Qu'est-ce que vous faites? Bill! Tourne-toi et mets-toi à genoux! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux! Fais pas le malin! Ok, t'énerve pas. Effet mordre? Non. Des excroissances? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre tremblement. Arrête, sale petite garce! T'as fini? Si j'ai fini? Vous débarquez chez moi? Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire. Et c'est qui cette petite pastille? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes. J'ai des dettes envers Joël. Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben super la blague. Joël veut une caisse. Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais? Hein? Bah ouais, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Non, je vous emmerde. Vous m'avez attaché. Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Mais pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Ok. Bon. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile, tout de suite. Très bien, ça. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Toujours pas utilisé de cocktail Molotov, pas peu fier les potes. Alors, il y a quoi dans cette planque? Hop. Ok. Faut que je pense à virer les infectés des barrières, c'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils se tassent. Très bien. La vache, c'est vraiment pas un marrant, ton pote. Garde. Garde tes distances. Ok. On a le plan. Une carte de la ville, des notes manuscrites, très bien. Ah, il y a des caches et tout. Hop, ça on prend. Une petite pipe. Ça, on fait. Et plus de scotch, malheureusement. Hop, je retire ce que j'ai dit. Ok. Voilà, on s'en sort très très bien, les potes, hein. En même temps... Pardon, excusez-moi. En même temps, on sort du deuxième opus, donc j'ai envie de vous dire, on est quand même plutôt bien rodé. Tiens, tu peux te pousser, ma petite bibiche.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah! Qu'est-ce que c'est? Longévité accrue des lames. Aiguiser une lame réduit la force nécessaire pour couper. Ok? Durée de vie du surin améliorée. Appuyer sur truc pour l'étudier. Ok? Donc là, c'est bon, ça a pris ça, les potes, hein. Oh. Eh, hey, tu sais y jouer? Ouais. Plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Hé, hey, Bobby Fischer, pas tous à l'échiquier, compris? Bobby qui? Rien, laisse tomber. Je suppose un ancien champion du monde. Allez, on avance, mon pote. T'as tout ce qu'il te faut? C'est bon. Par contre, j'ai pas vu d'établi, ça m'embête un peu. Bien, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte, allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Ok. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seuls, là-bas. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien. Vas-y, prends ce que t'as envie. Alors... J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Ok... Ça, on prend... Bientôt de quoi améliorer soit la santé max... Soit le recul, et j'avoue que le recul, ça me paraît presque indispensable parce qu'il est vraiment balèze. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Allez, viens, bibiche. Alors, dans quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé tête? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? C'est une gamine? Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais, au moins. Non, mais c'est quoi, ce type? Alors, on va où, Bill? Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Bon, tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je mets jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Donc, il nous faut plus d'armes. Ok... Il y en a un à l'intérieur. Au fait, tu n'as pas répondu pour Tess. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, vous êtes ça, occupée. C'est l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. On y va. Alors là, il y a une cache et tout. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai toujours pas de scotch, ça c'est terrible. Ça c'est terrible, je te le dis, mon petit pote. Pourquoi on réparait pas l'une de ces voitures? Ma parole, t'es un petit génie, toi. Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Ok. Eh bien... Bon, il faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt, ouais, et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Okay. Allez, on monte. –
Alors... On aurait pu choisir un autre endroit où prêcher. Tu sais, ces trucs sont horribles, mais au moins, ils sont prévisibles. C'est normal qu'ils me foutent les jetons. T'es bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Ok. Eh ben, on y va. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils ont pas la clé, mais si. Bon, c'est par où? On y est. C'est au sous-sol. Attends, quelque chose me dit que là-haut... Que dalle. Excellent. Exceptionnel, je dirais même. Allez, c'est parti! Allez, on descend. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok, j'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hé hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Ça commence à Qu'est-ce faire beaucoup en termes de nouvelles armes très rapidement. Est-ce qu'on peut fouiller derrière? Oh la vache, attends, c'est grand ça. Attends, c'est très très grand ça. Oh la vache. Ça risque de swinguer très rapidement. Petit établi des familles. Régale-moi. Voici une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. Non mais les gars, Ok. C'est trop. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois, en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut. Et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout! Joël veut une caisse! Et si elle est bousillée? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Ok. On va tout fouiller. On n'a pas le choix. On va essayer de se régaler. Oh lo 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 lo, oh lo lo lo, oh lo oh lo. Ok. Non mais c'est trop les gars. C'est quoi ça? Oh lo oh lo 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 lo.
Pas souvenir que ça régalait autant dès le début, là, hein. Alors, attends, montre-moi ça. Montre-moi ça, Bibiche. Eh ben, on va faire ça. Oh, putain. Attendez. Créer un emplacement pour la sélection d'armes permettant de dégainer rapidement. En vrai, non, hein, je pense que c'est ça qu'il faut. Hein. Je pense que c'est cela qu'il me faut. Arme lourde en priorité. Ok. C'est fait. Ah, attendez. Dites-moi pas que... Incroyable. Ok. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est quoi ça, vitesse de pompage? Vitesse de quoi? De rechargement, je crois. Ça peut être pas mal, ça. Hein. Allez, on se le fait. On se le fait. Ok. Parfait. C'est fait. On remballe. Voilà, c'est mieux. Tout le monde remballe. Let's go. Alors. Fusil à pompe. Ok. Pistolet. Très bien ça. Très heureux. Choqué, pas déçu, je vous le dis. Les amis. Allez, let's go pour la suite. Si t'as piqué un truc. Eh hey, mec. J'ai pas besoin de toi. Crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. Il est chiant, putain. T'es chiant, Billy. Allez, on se casse. On se casse. Comme Patricia casse. Ok. Ça, c'est pour prier notre Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, c'est tellement beau. C'est sympa chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un surin. Trop bien, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est free. Rassemblez vos affaires. Ah! C'est pas le professionnel ici, c'est ma chambre. Ok, c'est bon, je touche à rien. Bon, je touche à rien, mais je te raquette un petit peu, mon ref. Hein. Alors! Un groupe de cureurs a déclenché la plupart des bombes au sud de la ville. Il va falloir faire un autre passage, ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte. Ah! Embêtant. Eh ben, on va pouvoir passer par là, let's go. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon? On verra bien. Ok. Un petit cimetière des familles, très bien. Très bien. Oh. Y'a rien. Attends, y'a un feu qui est toujours allumé, mais c'est quoi ça? Ah, des corps qui brûlent. Allez, viens, t'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Ok, comme tu veux. Ok. Après cette porte, je serai en terrain inconnu. Je m'en occupe. Très bien. Vous entendez ça? Silence. Oh là là, j'ai merdé.
premier. Viens par ici, bibiche. Merci. C'est bien ce que je pensais. Ok. J'ai totalement merdé, je suis désolé. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Dieu sait que ça, c'était pas prévu. Ok. Est-ce que par hasard... Voilà, on peut se refaire ça. Il n'y en a jamais trop. Tiens, on peut même s'en faire un dernier. Là, on est super bien, en vrai. Qu'est-ce qu'on a là? Une petite brique? Je préfère la brique. Ok. Attends, il n'y avait pas autre chose là? Non. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter ici. On va remonter, ouais. On va s'arrêter ici, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure. Portez-vous bien, bisous tout le monde. Bye bye. Désolé Garcia. Et courez les gars!